Chers sœurs et frères, bonjour. Permettez-moi de venir vers vous pour mettre les choses au clair, car trop c'est trop. J'ai vu passer les images où on me présentait en entretien avec X et Y, or que ce n'était même pas moi, même la personne à laquelle ils ont fait allusion, avec qui soi-disant j'ai eu l'entretien, a nié qu'elle m'a jamais rencontré. Je viens de suivre sur les réseaux sociaux l'interview de M. Tchani, où il déclare qu'il a parlé avec moi, qu'il m'a vu et qu'il a même des photos avec moi. Je vous l'ai dit, franchement, mes sœurs et frères, c'est faux et archi faux. Un, je n'ai jamais rencontré M. Tchani. Deux, je demande à M. Tchani qu'il exhibe ces photos auxquelles il fait allusion. J'ai toujours dit, et je le répète encore, avec force, la famille reste la famille. Et il ne faut pas mélanger la famille et la politique. Il faudra faire la part des choses. Quand il s'agit de la famille, je suis responsable de cette famille. Donc, je me sens dans l'obligation d'intervenir. Il y a un point important et crucial. L'énergie que tous ces amis sont en train de dépenser, le temps, l'argent, l'intelligence, mais qu'ils consacrent ça à chercher des solutions, à résoudre les problèmes du peuple congolais, son quotidien. C'est ça les problèmes et la priorité même. Et ne pas aller dépenser le temps, l'argent, l'intelligence à des combats futurs qui n'ont aucun intérêt pour le peuple congolais, qui vont probablement seulement servir à certains individus. Ce n'est pas ça la politique. Pour revenir à ce qui nous préoccupe, moi je reste dans le chapitre de la famille. La famille est là et je suis le mieux placé à vous donner la description, l'historique de la famille. Moïse Katumbi est mon petit frère. Je l'ai fait grandir. C'est mon fils. Sa mère, Maman Virginie, elle est congolaise et non zambienne. Elle est congolaise d'origine de Bunkeya, grandie à Kashobwe. Ma mère était congolaise d'origine de Kashobwe. Maman Virginie n'était pas une femme de ménage. C'était la femme de mon père. Donc c'était ma belle-mère. Après ma mère, mon père était avec Maman Virginie. Maman Virginie était son épouse. Donc, qu'on raconte pas n'importe quoi. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, trop c'est trop. Maintenant, avec tous ces mensonges, je me réserve les droits d'aller en justice et de poursuivre tout ce monde-là avec leur calomnie, leur déclaration mensongère. Je vais les poursuivre en justice parce que je suis fatigué. Je me suis écarté de la politique, j'ai fait que observer
Donc, je ne suis pas dans la politique. Mais quand il s'agit de la famille, de ma famille, j'ai le droit d'intervenir et de défendre. J'ai laissé passer toutes ces déclarations fausses pendant un temps. Et maintenant, c'est trop, c'est trop. Donc maintenant, j'interviens en tant que responsable de la famille et en me réservant les droits de poursuivre quiconque. Peuple congolais, veuillez m'excuser d'intervenir dans ce sens. Je pense que c'était nécessaire. Et je vous remercie de votre attention et ne vous laissez pas distraire par des déclarations mensongères. Je vous remercie.